paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous qui nous écoutent et qui nous voient. Que mia peto Yesu Christo, peu mouti fafane noani gbakple, mame de si a de si le mia pom si le todon mia. Que sa grâce abonde sur vous. Et pas me nous venez sobode mia dit. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il ne change pas. Et il ne changera pas. Son amour est grand pour nous. Il a dit dans sa parole. Je suis avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Que cette parole s'accomplisse dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Êtes-vous prêt pour son retour, la deuxième partie? Nous allons lire dans Matthieu le chapitre 24, les versets 11 et les versets 12, concernant les signes de la fin du monde. Je vais lire d'abord en français. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Matthieu tabla avant ne pas couvrir les cas. Ayez avatio n'agbori la gedeo atitre. Ahaflu amegedeo. Ayez le nu majo majo ope agboso songutila. Amen. C'est ce que la Bible dit. Nous y a Bible à glo. Êtes-vous prêt pour son retour? Demie sogbedina efeto trova. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Avato nyagbori la gedeo atitre. Ce sont les signes précurseurs. Wonye jesio adonko. Ils séduiront beaucoup de gens. Ye wafla megede. Il ne faut pas les confondre avec les faux messies du verset 5 de ce chapitre. Et migacho sogbakle avacho messie yo untinya obo le Matthieu pagbaleta amatwamo. Les faux prophètes se présentent comme les porte-paroles de Dieu. Et ye avacho nyagbori le ova de nodo ki ofia na be maufa nya holao ne. Il existe deux moyens de les reconnaître. Monu popo mo veli benemia todo jesiwo. Leurs prédictions ne s'accomplissent pas forcément et leurs enseignements éloignent toujours les hommes du vrai Dieu. Eye wafo nyagbodio me vana me kokoko. Eye wafo nu fiafia gedeo la o tuduna mo o duna le ma o va van la gbo. Cette passion des faux prophètes confirme que la tribulation a prioritairement une connotation juive. Eye abatonya glori la ofo tetiti ya e ya de fiabe e titetiti e ya tore mauvi onti la ofo jotofa to yuda to ogbo. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, ya mtita no vi lo to la ofo to la me. Le peuple juif est un peuple choisi, mis à part à servir le Dieu, mais ils ont failli à leur devoir. E yuda zukone zukore mautiane do qui e yo de o de akpa. La Bible dit ces prophètes sont associés au peuple d'Israël. Pour nous, l'Église aujourd'hui, quelle en est notre position? L'Église doit se garder des faux docteurs selon 2 Pierre 2 verset 1. Et la Bible a fait nous fier man le petit pas balé gbanto tabe poku gbanto agbobe nya ha megbe nya pomiaru kudinye to awa to nous fier la mao nya pomiaru kudi to ontide nya o nya togo menye kaleme. Êtes-vous prêt pour son retour? Demier sogbedi na peto trova. La méchanceté sera tellement répandue que les sentiments humains d'affection seront de moins en moins visibles. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les actes
cruelles seront choses courantes. Nous battons, nous vendons, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Regardez tout ce qui se passe dans le monde entier. Les guerres par-ci, par-là. L'homosexualité a pris la place. Selon Romains, le chapitre 1, le verset 18 à 32. Le Romain tagba poku yini de plato vovia. Mais bien aimé dans le Seigneur. Non, vu dans le temps, la fête la main. Je m'en vais vous dire ce matin que Jésus est proche à la porte. Mais il m'a qu'on a mis le moudi à ben, Yesu gogo agbouanou. Et nous devons prêcher la repentance. Et yole me mia nekbe fati me toto pa nyanyua. Chrétien que nous sommes. Christ to yo mie nya. Est-ce que nous sommes prêts pour son retour? De mie sobe darine pa toto va. Nous qui prêchons la parole de Dieu. Mia me yo nyanyu glolao. Ne volez pas. Miga fifio. Mais nous volons. Ne commettez pas l'adultère. Miga hasio. Mais nous commettons l'adultère. Ne tuez pas. Miga wamo. Mais nous tuons. Wamia. Nous prêchons contre les sectes pernicieuses. Miele nyamau nyagbamu kude. Mais nous vivons dedans. Oh, mais bien aimé dans le Seigneur. Oh, non, vi dans la fête. Revenons à Jésus. Repentons-nous. Dieu a dit Israël. Ma oublobe Israël. Reviens à moi. Trova bonye. Je te pardonnerai. Et ma tsokeo. Mais bien aimé dans le Seigneur. Non, vi dans la fête. Ce que nous venons de lire dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 11 à 12 nous interpelle à nous repentir en attendant le retour de notre Seigneur Jésus. Nous imir le matin au parc dans les tableaux avant ne pas courir des quatre pas courir vers Améa. Elle m'y a tombé m'y a trop bova après tout là bas. Elle là-bas après tout espoir va voir et choqué. Martin Luther King a dit. Martin Luther King blabé. Je cite. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Eh ben, fin de citation. Mia fakbe, atote non non. Tokbe ikbe, mia sidodui. Le nou madon madon, nou bara nou vondi oromi, le mia kwe, vomi sidori, mia bonou de tia, be makbe, mia fakbe ton ou enyema. C'est ce qui fait que plusieurs ne voient plus. Ils ne voient plus, ils n'attendent plus, ils ne ressentent plus, parce que on voit les choses graves. Nous ne pouvons pas le, nous ne pouvons pas les dire. Yam tita me gedeo la, on me gatele nous pamo, on me gatele nous semo. C'est la mère que me galéo sur la ben, mieux pas nous bada, mieux pas nous manu manu gake, mieux pas nous le dit. Martin Luther fait partie de l'Église catholique d'alors. Et Martin Luther, il y a que Blema catholique femme. Il a vu certaines choses. Ponano. Il a protesté. Aye au titre même non est né. Mais j'étais avec lui. Vraiment où non pas plus. Mais aujourd'hui. Va être là. Nous ne voulons pas dire la vérité aux gens. Mais va dire même à toi n'y a pas fait n'importe quoi. Parce que lorsque nous prêchons la vérité. Et la ben même il va gagner t'es fait là. Nous ne trouverons pas à manger. Et même pas moi d'où. Si nous parlons de la vérité. Même il nous faut pour toi n'y a pas fait n'importe quoi. Nous aurons pris des grosses enveloppes. Et à moment gars ben le coup tu coupes gang on a mis. Attends, prédicateur de la parole de Dieu. Je vous interpelle à changer votre méthode de prédication. Si vous voulez diriger les brebis vers le portail, même si nous donnons à manger. Non, on a nous mieux droit là. Si nous donnons de l'air à boire. Non, on a mis un autre timide nous n'aura. Nous devons leur dire la vérité. Elle n'y a tout n'y a pas nao. Es-tu prêt pour son retour? Dernier soc, bedi ne peut te trouver. La deuxième partie. Et pas velia. Vous voyez? Mais quoi? Plusieurs faux prophètes s'éleveront. Avant tout n'y a gloire là que de haut la titre. Ils se sont déjà élevés. Ils sont dans nos villes. Ils sont dans nos quartiers. Ils sont dans nos campagnes. Ils sont dans nos fermes. Dans les rameaux. Ils trompent les gens. En disant qu'ils sont
des pasteurs. Ce sont des faux prophètes, des séditeurs. La Bible dit alors que les derniers jours toucheront à leur fin, les faux docteurs et les faux prédicateurs seront particulièrement actifs sur le champ. Et la Bible dit ay menuwa no do dom la avato nya gbodi la o pe avato nu fi ala la wa titre e yi wa no nyira wo wa pa fo no chochom de nu gbegbon ti. Regardez ce qu'ils disent. Mi pa nu gbon mo le da. Il y a quelqu'un qui dit que Jésus n'a jamais existé. Et amade va titre gbo be Yesu nto la me no ni nto ta po Yesu re ke me va po. Que lui mais c'est lui même Jésus. Be ya ye nto ni Yesu. Malade qu'il est. Elle est dans nos yeux. C'est un fou. D'abattre la maman le sio. Il a la folie meurtrière comme Saül. D'abat, à me ou d'abat il dit Saül le dit, il est tout tué le chadi. Même les vrais païens connaître la divinité de Jésus-Christ. Quelqu'un de trop subola avant, on te t'a dit, on y a Jésus pour ma ou nyanya. Mais quelqu'un dit qu'il prêche la parole de Dieu. Et Amado yo dobe le mau po nya nya gbom que Jésus n'a jamais existé. Yela gbo Jésus me nani po. Il est au profondeur de l'enfer. Et amema le to ma vo po goglo po que c'est pour comme Martin Luther dire. Yan ti ta Martin Luther globe. Notre vie commence à s'arrêter le jour où nous gardons le silence sur les choses graves qui minent l'église de Jésus-Christ. Elle gbogbo be mi a fa gbe atote nono mi a fa gbe nu ato toto to gbe igbe eye mi po nu bada enu gbogbo yi o le mi a fa ha mi o nyirom de me mi po vo mi siru deja gbe ma gbe mi a fa gbe tote nono. Aujourd'hui agbe notre église, nos églises sont remplies de l'envie. De la haine, de la jalousie, de la convoitise, de la cupidité, du mensonge. Mais nous ne voulons pas en parler. Mais on chante. Afima varufia, alléluia, enyona. Quel est Dipo Fiarupé? Dipo Fiarupé kaina fiarubele. Tu iras rien dans quel royaume? Avarufia le fiarupeka. Oh la reine, tu vis dans la haine. Va fouler le nye ou be, si ya gbe pa gbe non non. Tu vis dans l'envie. Ou ya mbia biada me bounti ya gbe non non. Tu nourris de la jalousie contre les gens. Ye da mo unti na wane titre da mo unti. La convoitise est ton caractère. La cupidité est tes ceintures. Et tu dis que j'irai régner dans le royaume de Dieu. Car la Bible dit celui qui règne son frère est un meurtrier. Jean, l'apôtre Jean, présente ici la deuxième des trois caractéristiques que des enfants du diable en bien avec le manque d'amour leur reine. Et apostolo Johannes et toi si nous evelia et il y a gbegbe amegbe to ma ouvio les azamegbe to le fulem wono viwa. Aux yeux de Dieu, la haine est équivalente au meurtre. Le maupon kuna fulele sokle. Nous avons ça dans nos assemblées. Nous avons ça dans nos communautés chrétiennes. Mais il n'y a personne qui a le courage, ce culot de le dire. Mais le Seigneur m'envoie vers vous ce matin. Vous le dites. La reine est une semence qui a pour fruit le maître, comme le montre l'exemple de Caïn vers Abel. L'hypocrisie bat son plein dans nos communautés chrétiennes. Christo, Hamome. Et le monde païen parle mal de nous. Et il trop subola pour ha tout nous faut bara pour nous. Mais bien aimé dans le Seigneur. On vit le temps la peut la main. Une grande partie de la chrétienté sera plongée dans l'apostasie quand Christ apparaîtra dans les airs. Christo fera mais pas quand toi. Ah, nous on est mais de gamme.
aime Yesu adora lili kongo. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous y a pas mieux l'aigle. Lorsque Covid est venu dans ce monde. Aïe Covid va nous quitter jamais. Plusieurs chrétiens sont partis. Christ te bouge au trois jours. Ils ne sont plus revenus. On me gâte bon va. On ne sait pas là où ils se trouvent. Mi manya fika ouba eti o. On les trouve. Y'a pas na ouya. Je vais arriver. Abo ma voilà. Ils sont partis par des faux prophètes. Ojo abato ni agbori la oklo. Quand les gens disent que Jésus n'a jamais vécu. Et à mon globe Yesu men no ani nto chakpo. Celui qui a dit cela. Ame igbo nyama. Lui là. Yen toi. La Bible dit. Bible abe. Il y a plus de repentance pour lui. Et à mon mati me toi tu me galiner. Selon Hébreux 6 verset 4 à 6. Eh bi toi pas baleta. Il serait difficile à celui qui a goûté les choses du ciel. Et bien, Agne nous c'est là, madame, il doit dire pour peu vivre ce quoi. Il a reçu le Saint-Esprit. Oh, hop, bok, bok, ok. Et se retourne encore en arrière. Bon, gars, trop, il lui serait difficile de revenir. Ah, ce n'est beau à trop, bon. Donc, celui qui dit que les pasteurs. Va, mais il est blablabé, il y a pasteur. Qui était prédicateur de la parole de Dieu. Il y a un nyanou, un nyanou, un nyanou. Il avait enseigné aux gens de ne pas pécher. Et il est fier, non, mon bon, gars, on nous va. Il revient maintenant disant que Jésus n'a jamais existé. Bon, va, trop, bon, tout le monde, il est soumis, non, il est fils de perdition. Ah, mais manier, tchotrovi. Il est Judas. Judas Iscariote onye. Lui, il a vécu avec Jésus mais il a perdu le fil. Un nani kule sugake ebumon. Ceux qui seront totalement engagés envers la vérité de la parole de Dieu et la justice biblique ne représenteront plus qu'une minorité. Que ameyo ale mau fa jojonye rasi. Aywa homa ofa nya dise you are not necessary la ama weado ko anye Jésus même a dit Yesu nto gbobe lorsque le fils de Dieu apparaîtra ay ma magbe to vira a dola lorsque le fils de Dieu reviendra à la seconde fois ay me ma ofira a tro gbobe zie veliane trouvera-t-il encore la force sur la terre Dieu wa po hosse la ni gbandia Jésus savait très bien que il y aura des moments difficiles Yesu nya nyebe ay se o le vague c'est pourquoi la Bible dit y a un petit tabib la gbobe en ce jour l'entekema o me la ceux qui seront totalement engagés envers la vérité de la parole de Dieu ame yo a to nya me le nyatepe me kure ma ofa nya la ntira et la justice biblique la Bible a fait jojo nyenye la ne représentera qu'une minorité. Wawo ame buyade oko wanyen. Les croyants professeurs accepteront de nouvelles révélations même lorsque ces dernières entreront en conflit avec la parole de Dieu révélée. Et waseto gedeo wa va trode nyatepo nyanyado yomel letepo unti to gbobe won to wa po nyanya nyanya agbo nyatepo ano gake awa tuo la duo di gbegbebe. Oh, si vous venez chez nous, chaque semaine, considère le ciel de là. Chaque aura 10 millions. Ah, mais ça m'a pas million, moi. Chaque aura 20 millions. Mais ça m'a pas million, blavé. Et ils ont quitté la vérité. Il y a mon Dieu, le n'atteint pas, bon. Ils sont devenus des cadavres ambulants. On va trop jouer à me coucou, tout bobo, la belle. Mais ils ne sont pas en vie. Vous me la beau. Cela fera naître au sein même des églises une certaine opposition à l'égard de la vérité biblique. Et il y a là un petit titi de nyatefe, Bible après nyatefe, un petit agnol hame ome. Il y aura des gens qui vont prêcher un évangile déformé. Et amo adegbe pa nyanu autre qu'on a. Et même parviendra même parfois à des positions stratégiques et des postes importantes dans certaines dénominations et écoles de théologie qui forment les gens. Et il y a quelqu'un qui va faire venir faire toucher le hameau. Et il a ouais pour atteindre pas un seul de annonce aussi. Et au fur et à mesure que nos bibles s'occulent, ah, on y a gros fièrement. Et ils vont former des gens tordus. Et il y a tout à me gros qui vont former le monde tordu. Et il y a tout qui que gros. Et ils seront tous tordus. Et ouais, quand on y a me gros. Et les tordus iront en enfer. Et il y a me gros, il est tout ma formé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Nous comme il dit ben mia gros ami. Je vais prêcher la bénédiction ce matin. L'événement qui nous assaille. Tout ce que nous voyons. La souffrance que nous endurons. Pour dire que Dieu va vous bénir. Je ne le pense pas. Repentons-nous. Jésus revient. Yesu trop bon à ce qui leur permettra
de séduire ces gens-là. Cela leur permettra de séduire et d'égarer de nombreux croyants au sein de l'église locale. Et nous, il y a des monobes, nous, en flamme, Gédéola. Que a peur de mon nom, le quelque mot pour Hamiame, le Hamaïmaolia, ou from a gede, ou trop beau, à me gede, pas sous. Il y a aujourd'hui plusieurs écoles théologiques partout. La Bible a sous coulo le con avec quelque mègre. Il y a des grands théologiens, des libéraux qui tordent le sens des Écritures. Et y'a nous fia la gant, Bible, n'y a la gede, ou y'a le cotrum, le trop beau mot pour n'yagbe. Les gens font seulement 3 mois dans une école de nuit. Et à moi, à Zasukulu, le titre Topeko. Ils deviennent apôtres. Qu'autre soit apostolo. Malheureux. Apostolo, nous blanuitons. 3 mois. Le titre. Tu deviens docteur. Avant toi, nous fions la gare. Apôtre. Apostolo. Bishop. Bishop. Trishop. Trishop. 4 shop. Quoi? 4 shop. 7 shop. 6, 7, 8. 10 shop. 10 shop. Mais sont des adultères. Ils courent les jupons. Ils séduisent les gens. Ils conduisent les gens en enfer. Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Tu dois te repentir. Évitons l'hypocrisie et la haine. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde entier, des démons et des esprits mauvais augmentera considérablement dans nos assemblées. Et il y a ceux qui vont donner de grandes sommes. Wawe anaga gao le choti. Ils donnent de 20 millions. Wawe America tite anaminion black vele choti. 100 millions. Anaminion à la fin de ka. 1 milliard. Anaminion de ka francs le choti. Pour influencer les prédicateurs, les pasteurs. Benoît Kofrou Mianu Glola au pasteur Odeme. Yesu. Jésus. Et pour nous na yawo. Et pour nous na yawo. Ameka gwenyesia eponu na yawo dodwa twe ameka gwenyesia eponu na yawo dodwa twe yase se le folo il y a des vents forts qui soufflent et il y a le fonto. Le vent souffle tellement. Et pour nous na yao. Et pour nous na yao. Ameka gwenyesia. Et pour nous na yao. Doate. Ameka gwenyesia. Et pour nous na yao. Que le Seigneur nous pardonne. Aujourd'hui, la Bible mentionne que dans le monde entier, des millions de gens prendront part à l'occultisme. Eh ben, à mes millions, millions, ou à quoi gomme à Kounia ou à l'astrologie. Le TV me pas comme
Les gens construisent leur scope avant de sortir. Et à mon enfant, dit Kanya, le TV me nous pas pour y avoir une donne à ton avis d'une à la fin. Même les chrétiens. Que Christ ton, ton t'a une donne à ton nuit. Les gens vont pratiquer de la sorcellerie. À mon le à Dieu, tu dors. Au spiritisme. Bon, il faut nous pas pour. Au satanisme. Le Satan a fait nous en haut. L'influence des démons et des esprits mauvais augmentera considérablement dans les dans nos églises, dans nos communautés. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Regardez comment l'Esprit de Dieu ne fonctionne plus dans nos églises. L'Esprit de Dieu ne travaille plus dans nos ensembles. L'église pentecôtiste est devenue faible. Parce qu'ils sont remplis des satanistes, des astrologues. Et es-tu prêt pour son retour? Ce sont des signes précurseurs. C'est ce qui apparaîtra. Es-tu prêt? Pour bien se protéger contre la sédition, nous devons persévérer dans la foi, dans l'amour envers Christ et rester loyal envers l'autorité absolue de la parole de Dieu. Le verset 12 nous dit l'iniquité sera accrue. Les derniers jours seront caractérisés par un accroissement incroyable de l'immoralité, de l'impudence et de la rébellion contre Dieu et de l'abandon de la morale. Regardez, l'Occident a perdu la morale. Tu n'as pas le droit de prêcher contre le péché. Tu n'as pas le droit de prêcher contre l'immoralité. Ils ont perdu la morale. Mais peuple togolais. Peuple togolais. Peuple africain. Africa, vous qui m'écoutez. Vous qui me voyez. Levons-nous comme un seul homme. Allons à l'Occident. Pour leur évangéliser. Qu'ils reviennent à la normale. Alléluia. Amen. Lolo. Oui. La perversion sexuelle. L'immoralité. L'adultère. Ah, si, wawo. La pornographie. Porno. Drogue. Drogue, alors dit tama yo. La musique impie. Musique manyo. C'est ce que nous voulons danser aujourd'hui dans nos assemblées. Ça veut dire quoi? Gomede. Cette danse immorale. Cette musique impure. Musique bada, musique makoma. Des distractions charnelles. Du job papa mouti na toho. Abonde aujourd'hui dans nos communautés chrétiennes. Wawe ba yo fun bele mia pe Christophe hanom pobe. Il en sera comme du temps de Noé. Selon Matthieu 24, le verset 36, 37. Le Matthieu au tableau veut voir un nez.
La Bible dit, lorsque les pensées des hommes se porteraient chaque jour uniquement vers le mal, le Seigneur va apparaître. Bible be ayi me gbe o to gba me gbe to bo su ko nyebe wa toruda nu barabada o gbola ke afetolo ado. Lorsque l'homosexualité, le lesbienne, toutes sortes de perversions sexuelles étaient répandues au sein de la société, savait très bien que Christ est à la porte. Et il me mis à pas des signes persécuteurs, précurseurs. On tu crois on tu en dedans non on connaît dedans. Aye non non me bada bada o nu manyo manyo on bosom ne dira et ya on nan nan nyabe Yesu do agbola nu. Et la Bible dit, Jésus ajoute, que le véritable amour sera rare en ce temps-là. Et Bible na mi nyabe Yesu gbo pereti be lolo van van tola ma ga bole mayo. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Wo pomi le egbe. Mais bien aimé dans le Seigneur. Non vi lolo tola fa tola me. Ne trouve pas cette affirmation plutôt que étrange? Peut-on vraiment encourager nos frères et nos sœurs à rester fermes dans leur foi en leur disant qu'ils doivent souffrir pour rentrer dans le royaume de Dieu? J'ai appris dans la bouche d'un pasteur. Mais c'est le pasteur qui nous met dans le malheureusement, il est mort. Qu'il n'a jamais été au ciel. Moi, je n'ai jamais été au ciel. Donc, ce que je trouve aujourd'hui, je veux le faire. Ce que je trouve, je le mange. Or, il est mort. Et s'il allait au ciel, je ne suis pas le juge. Mais Dieu sera comment le juger. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Paul parle de la communion des souffrances de Christ. Et Paul ne peut pas nous amener à peur le Christ ne peut rater d'un outil. Selon Philippiens 3:10. Le Philippiens 3:10. Et Pierre ajoute. Et Pierre ajoute. Très cher ami. Non, vu ne trouvez pas étonnant d'être en plein feu de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Eh bien, l'oloto migana. Ici à fait était pas si va m'y a dit. Rena mia de do pola na wo yade mi abe enyade fo me viva jode mia di ene o. Réjouissez-vous plutôt mi pati jobo u d'avoir pas aux souffrances de Christ. Ala si mi pa gome le Christ pa fu pe pe me la afin que quand il se révélera sa gloire, vous déborderez également la joie qui animera vos cœurs. Zigere ke mie poti jobena le efe nti kokwepe de defiame ha la mia poti jo eye mia tu aseye kple le dipo wo kwenye fia o la nyigbadicha wo kwenye nuso katatona jura kufi mautonama wenye maunye wenye mauna jorare wenye mauna jisogo Fabrice Kosi wenye mauna Ahaji Rafael Kokuvi wenye mau wenye mau ganga wenye mau bubu naora. Hallelujah. Mabe le jipore okoenye fia la nyigbadicha okoenye nuso katatona jeuda kofi mautonama wenye maunye wenye maune kosivire wenye mawe wenye mauna Alberto re wenye mauna gbesire wenye mauna mekoteo wenye mau bubu naura. Hallelujah. Hey. Maye Jipolo. Yo. Aso Maye. Agbesi yilo. Albert mi Jipolo. Mi Jipolo. Ke kemre da mi pufalo. Hallelujah. Amen. Bubu na wo. Mata bubu na wo. Jiga namla. Bubu na wo. Mata bubu na wo. Wenye blema mauma.
si ma ton abere o ma ton bubu na o ire ma vome we nye ble ma ma uma si ma ton abere o ma ton bubu na o ire ma vome to ma vome to ma vome il ma vome to ma vome il de ma vome. Cette souffrance peut prendre des formes bien différentes dans nos vies chrétiennes. Je fous pas que y a là atteint de non non me vous le mieux pour Christ tombe non non me fa. Dans beaucoup de pays dans le monde, la persécution s'identifie contre les chrétiens aujourd'hui. Le du kokbo me gbeya yo mo titi elle dit dem de tu de Christ to onuti. Un rapport publié par le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni dévoile que 80% des persécutions religieuses sont dirigées vers les chrétiens. Et le Royaume-Uni fait du don offert pendant du tapon nya du cadeau nya ogba egbo be yo meti tipe akpa blanide alofat dila Christ to onti yo ponele. Ce genre de souffrance ressemble à celle qu'enduraient les martyrs chrétiens au temps des Romains. Et il faut pas que ya ola on sople à meyo Roma to ou de Christ pe nya nyata faut pas que ya on sople même au totogui. Les apôtres Jésus ont été martyrisés. Yesu pas pour solo le maya ou wo de nya nyata. Mais nous devons comprendre que d'autres souffrances moins physiques, moins néanmoins pernicieuses peuvent nous ébranler aujourd'hui, mais tenons fort car Christ reviendra pour nous prendre dans sa gloire. Mirula to Jésus fou pepe dede o ayo awu totona mi go ha ayo anye nti la meto alo nu jojo meto gbogbo me papa di to la wo va mi ati gake mi a Dieu Jésus mi a foto Jésus le toto ge va zande ya ayo va pro mi a Dieu. Jésus nous a averti de ces dangers. Yesu nami to kla kude jogbe vwe afoku ya onti. Que beaucoup de prophètes de mensonges se lèvera et égareront une multitude de gens. Be ala kpanya bori la kede ou le tetige aye wafu ame gbogbo ade ou deme. Parce que le mal se répandra. El abe nou ma jom ajo akeke. L'amour de la multitude se refroidira. Ame gede fe lolonu ati. Regardez comment c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mi pao nui le jojo me gbeda. Plusieurs sont sortis de l'église. Ils ne font rien. Ils sont devenus des quémandeurs. Oh, ce sont des gens qui étaient zélés dans l'église. Et ils sont adhérés dans des sectes pernicieuses. Des francs-maçons de la Rose-Croix et Kanka et ses consorts. Oba do francs-maçons Rose-Croix et Kanka après tout katame. Des voyages ancestrales. Et yo yina dinou me ko dinou me polo. Il dit que c'est maintenant que nous allons trouver la bonne voie. Et yo va le glomme fi afi mi va pon moni to enye ya. Oh, ils vivent déjà dans l'enfer. Vos bo le dagbe non le djuma vo mo bo koko. Depuis quelques années, nous assistons à un profond changement dans notre société. Et je perdo enye ya mi va ko trop de tour le mi afa ha me o me. Ce qui naguère était considéré comme anormal. Et ya o me rekem do di sebe nu yi me nyu ne o. Contre nature ou péché est devenu non seulement acceptable, mais ouvertement placé sur un piédestal. Ne les dérangez pas. Vous savez, la force est dans le cœur. Quand ton esprit est bon. Le corps aussi est bon. Quand quelqu'un est mauvais en dedans là. Quand tu le vois. C'est ugly man. Dans nos villes, c'est les gens laids.
Ce sont ces gens là qui tuent. Ce sont des gens qui n'ont même pas une apparence qui c'est bon à voir, mais ce sont eux qui tuent les gens. Le mal est insensé et le bien ridiculisé aujourd'hui. Les lois divines ne compte plus rien à chacun, et chacun fait ce qu'il entend et ce qu'il fait. Plus que jamais, nous devons refuser tout compromis. Car Christ apparaîtra bientôt. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux conclure ce message en disant, nous devons éviter l'envie. Nous devons éviter la haine. Nous devons éviter la jalousie. La convoitise. Et la cupidité qui ronge l'église de Jésus-Christ. On rit à son frère, mais tu craches le piment devant lui. Plus que jamais, refusons les compromis. Il faut défendre la vérité de la parole divine et affermir notre foi afin d'affronter les souffrances à venir, quel que soit. Que le Père de grâce nous accorde la grâce ce matin et la force de refuser tout compromis et de défendre la vérité de la parole divine et affermer notre foi afin d'affronter les souffrances à venir, quelle que soit leur forme. Mais bien-aimé dans le Seigneur, vous ne devez ni penser ni parler des réalisations ou des capacités des autres. Si quelqu'un progresse, au lieu de le qualifier, nous voulons le détruire. Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Si tu es prêt pour le retour de Jésus-Christ, la paix de Dieu va demeurer dans ton cœur. Que la paix de mon Dieu soit avec vous. Vous nous voyez ici à la télévision JC TV. Jéricho chrétienne. Que la paix de Dieu soit avec vous. Es-tu prêt pour son retour? Si Jésus tarde à venir, nous reverrons encore le mercredi. Je remercie le directeur, le pasteur Ahadi Kokouvi Raphaël, mes techniciens Alberto et Agbessi et son petit frère. Je crois, vous et moi, nous irons au ciel. Nous irons. Soyez fidèles à votre Dieu. Il vous garda dans les jours de malheur. Que la paix de Dieu soit sur ce pays, le Togo. Kosivi Diseko, il faut prier pour la nation togolaise. Que l'église de Jésus-Christ retrouve sa place dans ce pays. Parce que l'église est appelée à impacter positivement la société civile. Mais nous négligeons notre droit. Priez pour ce pays, le Togo. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, notre Dieu. Dieu.
ne no du yame esu ka fina jola egbobe mutifa fa icho fofo la gbola me gbe dadi na mi mi le mutifa fa reclamer le togo du koyame ka fo to mi ga do gbeda mi a o ne cho dare du yame o ha me ne cho na be mi a fo nu ona na wo do de du koti ale be mi a po mi a fo do fe mi a to gbogbo na no ni mi a o cha mi monu popo na su mi a sibe mi a ten gbo mi a to vo gake egbe ya ha me a buye fo no fe ha me a buye fo do fe yo ho le togo du koyame ha mi a du do fe ya ka fo to mi le gbedomda le yesu fo nko me be ve mi a be mi a fo nu ona wo la na tro mi a fo do fe yi a no mi a si ya agbo va na mi be gbede ra no mi a si nu popo na no mi a si mi a o cha mi a ten fo nu ni wa sele du koyame le yesu kristo fo nu come e to kata se o nyale mu di kanye ya a fo to mi re na cho de le me e la bo va va agbo me gadidio be mi a ten no te se si le na wo e tro bona zande ya e be ne me va de ma po ho se la ni gba di ya mi e de kuku na wo be ve mi a nu le yesu kristo fo nu come o dole ne zalom ti ya me tu e da si o me ka bla li jine ka cho bubu o ne ya me le fa fo de te sura kple via o la si o me e pe ha mi a ne no se si le yesu kristo fo nu come a pe e la be ma wo ne nye le yesu kristo fo nu come Dieu sa ta amen ma wo ne no ni gba kle mi bye bye bye